à l'école numérique Machindano. À cet heure, nous avons sciences zoologie. Et aujourd'hui, en sciences zoologie, nous allons étudier les embranchements des animaux. Répétez les embranchements des animaux. Les embranchements. Les embranchements des animaux. Nous allons étudier les embranchements des animaux. Très bien, les amis. Nous avons ou nous distinguons combien d'embranchements des animaux? Nous distinguons deux embranchements des animaux. Nous avons le vertébré, et les invertébrés. Très bien, les amis. Nous distinguons deux embranchements d'animaux. Nous avons le vertébré et les invertébrés. Qu'est-ce qu'on appelle vertébré, les amis, et qu'est-ce qu'on appelle invertébré? Nous allons trouver que le vertébré, ce sont les animaux qui ont la colonne vertébrale et qui ont le sang rouge. Et ça sera le contraire pour les invertébrés. Les invertébrés, eux, n'ont pas de colonne vertébrale. Et ils n'ont pas de sang rouge. Ici, nous allons citer l'exemple de tous les insectes qui existent. Tous les insectes qui existent, nous allons les classer dans les invertébrés. Exemple d'un insecte que vous connaissez, nous avons la mouche, la moustique, nous avons l'abeille et tant d'autres animaux. Alors, chez les vertébrés, nous venons de dire que ce sont les animaux qui ont le sang rouge et la colonne vertébrale. Nous avons par exemple les chiens. Nous avons les chats. Nous avons, les amis, la poule. Et tant d'autres animaux. Mais les amis, ce que vous devez savoir, l'homme aussi, c'est un vertébré. Mais nous ne sommes pas en train de parler de l'homme. Parce que l'homme aussi est constitué des colonnes vertébrales et le sang rouge. Mais nous parlons des animaux qui ont aussi la colonne vertébrale et le sang rouge. Qu'est-ce que vous allez me faire à la maison? Vous allez augmenter la liste des invertébrés. Donc vous allez augmenter quelques invertébrés que vous connaissez. Merci les amis de nous avoir suivis. Cliquez sur le bouton exercice pour vous évaluer. Merci.